Coucou tout le monde, c'est Mario. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo un peu spéciale, un peu particulière, parce que je vais peu vous montrer tous mes achats que j'ai fait à la Japan Expo. Alors, la Japan Expo, c'était à Paris du 7 au 8, non, du 7 au 10 juillet, et je suis resté à Paris jusqu'au 16 juillet. C'est pour ça que la vidéo ne sort que maintenant. On va d'abord commencer par un peu les trucs débiles que j'ai achetés. Alors, en termes de trucs débiles, on a des cartes absolument débiles. Ouais, j'ai chopé Subu parce qu'elle est kawaii, mais sinon j'avais fait des packs de Fate Stay Night où j'ai eu juste une Rin, un pack de Kantai où j'ai rien. Voilà, ça c'était déjà le truc con. Après, on a ces ce petit porte-clés de Ayase, de Love Live. C'est le truc de Snowvation là. Par contre, il y a le flash là. Tiens, il fallait pas. Il fallait pas. Après, on a un petit Rolo. Voilà, Kawaii, Kawaii Utsukushi. Et puis, on a quasiment la même chose, mais avec Alissa de God Eater. Enfin, la même chose que Ayase. Ensuite, on a le truc un peu inutile, surtout que je l'ai acheté le quatrième jour, c'est-à-dire un petit truc qui fait du vent. Alors ceci c'est Kongo, mais il est mis à Runa quand même. On ne sait pas vraiment, je comprends pas pourquoi. Et comme j'ai dit, je l'ai acheté le quatrième jour, le dernier jour, et juste à la fin. Donc voilà, c'était un peu inutile, mais bon, voilà. J'ai eu aussi une carte de Final Fantasy, le jeu officiel, si t'as vu. Alors c'est Cloud. C'est Cloud Strife. Et voilà, c'est Nahi. Voilà. Voilà, c'est bien. C'est bien, c'est bien. Ensuite, le samedi, il y avait le seul, l'unique, le compositeur de Tales of Zestiria et de Tales of Legendia qui était venu. Et donc ça, bien sûr, je l'avais déjà, hein, la petite farde. Mais il a signé ici. Il a signé, c'est Goshina, il a signé, j'ai même fait une photo avec lui, que vous pourrez retrouver sur Twitter si vous en avez envie. Ensuite, j'ai acheté ce gros sac Fate Stay Night avec petite dédicace à Neko, sa beurre, sa tartine. En fait, le personnage, pour ceux qui ne connaissent pas, s'appelle Saber, comme ça. Saber. Et donc, il y en avait un, Shinkaos, Sonic Feveux, vous connaissez certainement, qui l'appelle Sabeur, comme le beurre. Puis il y avait Neko qui s'amusait à dire sa tartine. Donc c'était pas drôle du tout, mais il la faisait quand même. Voilà. Voilà. Alors dedans, qu'est-ce qu'il y a? Il y a un poster de Tales of Berseria, aussi signé par Goshina, le seul, l'unique. Magnifique, oh mon dieu. En plus, on avait pris le planning genre en mode random le samedi, et on a vu Goshina dessus, et c'était magnifique. On s'est dit qu'on allait voir. Alors, il y a des petits trucs dedans de Fate Stay Night, enfin de Saber. C'est genre des. C'est quoi? C'est des marque-pages et tout. Je vais honnêtement pas faire le tour de tout ça, mais c'est nice en tout cas, c'est nice. Et puis il y a aussi des posters, alors il y en a une dizaine. Celui-là c'est le plus beau, je trouve, c'est celui de Saber. Il y en a quelques-uns de Rin aussi, enfin Rin et Saber. Mais on va pas faire le tour maintenant, on va plutôt passer aux figurines, vu que bon, ça prend quand même un petit moment. Alors non, je vais terminer par celle-là, tellement elle m'a.